Votre passe. C'est moi. Je sais que c'est vous, chef, mais faut respecter les mesures de sécurité. Et vous imaginez, en fait, si c'était pas vous? Mot de passe. Attendez, votre mot de passe, c'est mot de passe? Ouais. Paye ta sécurité. Justement, plus c'est con, moins on s'y attend. Et avec les débiles que je me traîne, vaut mieux faire simple. Bonjour, chef. Bon. Faisons un rappel. L'ordre de la mouche, le pouvoir qui est en place en enfer, dirigé par Belzébuth. Sa cour est composée de 4 grands rois, régnant sur chaque partie de l'enfer. Amémon, Gorson, Zimimar et Goap. Eux-mêmes sont à la tête de 7 autres rois. Viennent ensuite 23 ducs, 13 marquis, 10 comtes et 11 présidents, ainsi qu'une multitude de princes et autres grands dignitaires. Tu as déjà étudié une partie d'entre eux. Nous avons récolté ces données. Il nous faut maintenant les compléter. Nous avons des fidèles dans chaque rang qui t'aideront à récolter ces renseignements. Ma team, Rissel, en font partie. Je vous laisse vous présenter. Présentez-vous! Moi c'est Batim. Moi c'est Pricelle. Mais tout le monde l'appelle Pucelle. Oh, hey, dis donc, hein, toi tout le monde t'appelle machin. Eh, hey, je suis un grand-duc, moi. Elle a la tête de 30 légions. Oui, enfin, tu vas pas commencer à te la péter. Moi, des légions, j'en ai 48. Ouais, mais c'est pas la taille qui compte. N'empêche que j'en ai une plus grosse que la tienne. J'ai fini, oui! Pardon, chef. Lèche-pot. D'ailleurs. Je suis une démon liée à l'eau, j'ai le pouvoir de créer le son de l'eau, comme par exemple un raz-de-marée pour faire peur à mes ennemis, ou alors une goutte d'eau pour torturer mes prisonniers. Comme si le bruit de l'eau pouvait faire peur, quoi. Tu connais la technique de la goutte d'eau? Une torture très ancienne qui peut même entraîner la mort. Mais c'est avec une vraie goutte d'eau, ça! Qui tombe à intervalles réguliers! Personne ne flippe avec le son d'une goutte qui tombe. Oui, bah hein? Et puis de toute façon, mon vrai pouvoir, c'est de trouver ou de créer des sources chaudes curatives. Ouais, super, et le démon des saunas, quoi. Et vachement utile au combat, ça. Je suis un démon de soutien, moi, monsieur. Mon truc à moi, c'est la guérison, c'est pas la baston. Et puis tu peux parler, toi, avec tes pouvoirs tout pourris. Quoi? Eh oh, j'instruis, moi, madame. J'enseigne la géométrie et les arts libéraux, la vertu des plantes et des pierres précieuses, et je dévoile même les choses cachées. Oui, enfin, comme tous les démons, quoi. Ouais, sauf que moi, je me déplace à grande vitesse. Oh, comme le TGV. Mais c'est pas... Puisque tu veux faire le malin avec ta grande vitesse, va donc me chercher le dossier des autres membres. C'est moi qui ai fait les dessins. Ouais, ils sont à l'image de ton talent. Bon, ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore là. Commençons par Forcas. Tiens, je croyais que c'était un vieux avec une grosse barbe qui tient une lance et qui balance des boules de feu. Non, ça c'est Furcas, un chevalier de l'ordre de la mouche. Forcas est un président grand et puissant. De base, il enseigne la logique et l'éthique. Et il permet de se rendre invisible, d'être ingénieux et loquace, mais... ça, c'est plutôt pour les humains. Ici, c'est notre maître d'armes. Il entraîne nos troupes au combat. Perso, moi, il me fait peur. Ouais, enfin, moi, c'est Vépar qui me fait plutôt flipper. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'on aille la chercher en prison? Tiens, vous avez récupéré des hommes en prison? Parce que tu crois qu'on a envie la prison juste pour sauver ton joli petit cul? Vépar est la seigneur des mers. Elle est très puissante, mais aussi très violente. Et c'est pour cela qu'elle a fini enfermée. On a besoin de sa force, mais aussi de sa flotte de navires, remplie de démons sanguinaires. Ah, mais je crois avoir entendu parler d'elle. Elle contrôle la mer et le vent, et elle peut déclencher de violentes tempêtes, il me semble. Ouais, et t'es au courant aussi qu'elle peut créer des blessures putrides, pleines d'asticots, juste en claquant des doigts? Ah non, elle fait vraiment trop flipper. Ouais, enfin, le reste, c'est pas mieux, hein. Ses flèches provoquent gangrène et putréfaction, et les blessures sont inguérissables. Loret? Loret,
notre espionne en chef, une archère hors pair, indétectable en mission. Marquise à la tête de 30 légions. C'est aussi une spécialiste de la diffamation, ce qui a causé de nombreux conflits. En plus, elle a le pouvoir de modifier la météo. C'est trop pratique pendant les batailles. Elle est vraiment géniale. Ouais, c'est sûr que c'est plus utile que créer le bruit de l'eau, quoi. Moi au moins, monsieur, je suis plus utile qu'Androalphus. On a besoin d'hommes. Et ces 30 légions nous seront bien utiles. Il est très rusé, a souvent de bonnes idées, et son lien avec les oiseaux est très utile. Notamment pour espionner et transmettre des messages. Oz, lui par contre, il est vraiment inutile, quoi. Oz, le dernier de nos espions, avec seulement 3 légions. Ouais, je sais, c'est de la merde. Ouais, mais il a un pouvoir bien utile, non? Tiens, il peut métamorphoser les gens, prendre le contrôle de leur esprit et leur faire croire ce qu'il veut. Ouais, mais il peut pas s'en servir plus d'une minute. C'est vraiment tout pourri. Ouais, et puis en plus, bonjour le président, quoi. Il peut régner qu'une heure par jour. Il sert un peu à rien. Vous m'avez appelé, chef? Tiens, quand on parle du loup, enfin, du léopard. Oz, voici Equinox. Vous partez en mission. Tous les deux. Hein ?